conquête. Protecteur de la Francie. Que dirais-tu d'un pillage ? Ouais, j'en ai perdu un peu plus cette fois-ci. Alors, est-ce que c'est loin ? La voile ! Carte. Ah oui, 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 bah oui. Et c'est parti ? Ouais, caméra cinéma. Moment de détente. Non. Vous n'avez pas le laisser tranquille. Tac. C'est marrant que le gros bruit de ferraille ne m'alerte pas. Parce que ça les garde. Ouais, non, mais c'est parce que la caméra n'a pas l'angle, quoi. Allez, on continue. Plus de toi, l'igloo ! Je vais repartir en combat, ça. Gagné. Ah, il y a deux... Hop, du coup, je suis pas dans le bon sens. Hissez la voile. À quelle distance de l'objectif? Oh, il y a encore du trajet.
Ah. Hissez la voile. Hissez la voile. Ou le plantage. Ça m'avait pas manqué ça, tiens. Le plantage. Oh non, ça a planté. On déconne, j'ai pas marqué. Tac. Hop, et bon, on relance le jeu. Ben c'est reparti. Hein. La première fois que je plante une attaque fluviale, tiens. Je pense que je vais devoir la recommencer en entier en plus. Il n'y a pas de point de sauvegarde là-dedans. Alors, où c'est que tu vas me faire apparaître? Par un sort? Gagné. Ok, bah effectivement, il faut relancer. J'ai pas de point de sauvegarde. Tiens-toi tranquille. Hey, Ivor! Allez, on y retourne. Que dirais-tu d'un pillage ? Sans planter, c'est mieux. Hop, lancer attaque là. Stimiland soutient la Graou Family depuis 6 mois. Coucou mon petit loup, croisillon, test du croisillon. Bah évidemment, c'est le croisillon. Et bonsoir Stimmy, merci pour ton 6e mois d'abonnement. Et le test du croisillon ? Bah oui. C'est une voix française. Ah, tu voulais être sûr. Comment ça va? Comment tu vas? Bah, je vais très bien. Je suis en vacances, mais ça, tu le sais. Un peu fatigué, mais... Je suis plus fatigué en vacances qu'en coup de boulot. Ça, c'est comme d'habitude. On voit tellement de trucs à faire. Ou à ne pas faire, pour le coup. Gna. C'est un peu ça. Tac, voilà. Mais sinon ça va très bien. Et toi? Comment va? Ah oui, le bot il t'a mis directement les rôles. Oh, il a une rapidité. Même pas le temps de réagir. Petite balade sur le grain. Oh, entrecoupé de quelques arrêts impromptus. Tac.
Allez, monte. Tac. Allez. Tac. Tac. Ouais, c'est le bateau. Et bonsoir. Ouf. Comment on prend ton pseudo? R2K. Ok. Ça fait penser au. Je pense que ça a sans doute rien à voir, mais. Borderland, un éditeur. Salut à toi, ami des loups. Eh bah, salut à toi. Pseudo pas trop prononçable. Si tu peux m'aider. What? Et bienvenue sur le live. Moi ça va à peu près, j'ai un bout de dos bloqué. Ah, j'ai hâte de voir mon CO2, tu m'étonnes. Ah, c'est ça de trop faire de live. Ça tue le dos, hein. Du coup, je pars sur... Il y a le bout, de toute façon, ça se suit. Yes. Peut-être mettre le mode cinématique. Et peut-être aussi plusieurs heures de route, ça va être pour. Pour l'auto. Hey. Oui, bah, oui, c'est ce que j'espère, ça ne sera pas long. Allez hop. Il va où là? Ah oui. Petit raccourci visiblement. Tac. Bon, visiblement, je t'ai... R2, Goat, je t'ai fait fuir... Vu que je peux pas prononcer ton pseudo. Ou je n'y arrive pas. Je vais fuir tout le monde, du coup. Prochain barrage. Allez. Tac, c'est parti. On continue. C'est la voile contre le... Un peu plus chiant à couper celui-là. Mais tu vas faire quoi de tes vacances? Eh bah... Accueillir toutes les entreprises qui font des travaux chez moi déjà. Et passer la journée. Déjà, c'est ça qui va m'occuper principalement. Du coup, je vais profiter cet après-midi pour avancer sur des succès de Mass Effect Legendary Edition. Au moins un jeu que je veux platiner, avoir tous les succès.
Il me reste plus que deux à voir sur Mass Effect 1. Je lance bien. Mais en soi, il y a pas Noël évidemment, le réveillon. J'ai pas trop prévu grand chose. Cette phrase ne veut rien dire, hein. Moi bien parler de la France. Et c'est plutôt feeling en fait. Si j'ai besoin de faire des choses en plus par rapport aux travaux qui avancent. Ce qui est déjà le cas. Je suis abonné au magasin de bricolage en ce moment. Petite bière, tout ça, tout ça. Ah bah oui, non mais ça c'est de base. C'est même pas besoin de le préciser. Bien sûr. Le bac à légumes en petite bière. Le bac à légumes. Est-ce que j'arrive 200 mètres? Ah! Enfin! J'arrive à mon point d'arrivée. Non, côté tourné. Je reprends. Voilà. Yes. On peut rater l'arrivée, mais bon. Ça se lance quand même. C'est vrai que c'est pas dégueu. Non mais ça fait marrer de dire à chaque fois. T'as des bières? Oui, bien sûr, dans le bac à légumes. Je peux en prendre une. Ça me paraît évident. Ça devrait s'appeler un bac à bière où on peut mettre peut-être des légumes dedans, quoi. Voilà. Hop. Est-ce que j'ai besoin de... Non, pas besoin. Hop. Voilà. Et tes légumes, ils sont où? Il est quoi? Ça répond à ta question. Ah si, des fois j'achète des tomates pour mettre dans mon burger. C'est maison. Voilà, voilà. J'ai besoin d'aide ici. Il est habituellement par ici. Je suis des civils. Et non mais ils sont foutus dans mon... dans ma lance. Les égouts. Quel port je veux prendre? Non, ça c'est là. Aïe. On l'a dit, tu vois. Thank you.
te mettre par là. Bon, j'ai cru qu'il y avait quelqu'un. Il me faut de l'aide. Attaque qu'on a bien, c'est cool, mais j'ai pas trouvé le boss. Oh mais... Vas-tu y arriver ? Où est le boss ? Oh, il y a encore une suite. Ok... Dans la dernière église ? Oui, non, peut-être. Visiblement, non. Je me suis coincé là. Je suis au bon endroit. Alors, visiblement oui. Zone d'exploration, donc c'est bien ça. Où est le boss de cette zone? Non, ça c'est pour fuir. Là, je l'ai fait tout à l'heure cette zone. J'espère pas que ce soit un bug. Généralement, quand c'est dans une maison, la maison brille en bleu. Enfin, la porte brille en bleu. À aucun endroit je vois briller bleu. Pas en hauteur. Bah, y a toujours les deux mecs ici, mais. J'ai pas un truc d'auto-viser, hein. Heures plus tard. Il se cache bien celui quand même. Ok. Trouver et vaincre le champion de moi, on peut les trouver dans un monastère, j'y suis. Qu'est-ce que j'aurais loupé? Le civil me fuit en allant dans la direction où je vais. On dirait qu'il se passe quelque chose. Oh.
Mais... C'est juste pour un coffre. C'est fou, ouais. Ah, les rats, c'est pas génial. Ils sont revenus en plus. Hop. Non, tu lâches pas ça. Ouais. Ça m'inquiète cette histoire quand même. Non, je suis plus dans la zone de recherche. C'était bien là où j'étais. Pourquoi je n'ai pas trouvé? Ça sent le petit tuto sur internet. Hein. Je trouve que je suis passé à côté. C'est même fort probable. Hein. Ouais, je refais la zone que j'ai fait tout à l'heure. Allez. C'est quoi ça? Non, je sors la zone. Bon, c'est parti pour un OK Google. Alors, quête protecteur de la Francie. De la Franvie, bah oui, évidemment. Ça s'inscrit. Comment accomplir la quête? Ouais. Le champion se trouve au deuxième étage d'une église. Lorsque vous arrivez, vous devrez atteindre le sommet de la colline où se trouve le monastère. Deuxième étage d'une église. Bon. Ben, on va faire tous les étages. Je sais pas si c'est une église d'ailleurs, ça, ce que j'ai en train de... Je pense pas. Ça doit être une église. Je vais aller directement dans celle-là, la plus grosse. Et chercher l'étage. Par où est-ce qu'on monte? Oh putain, ça brille bleu ici. Ah, évidemment que je suis passé à côté. Il était là. Vous pouvez pas gueuler pour s'annoncer. Un bon vieux, je vais te tuer. Moi, je savais qui était là. Ces épées auront raison de toi, crois-moi. Oui, bah. C'est compliqué, c'est de te trouver, hein. C'est pas de te tuer. Hein. Épée sacrée de Sir Garrett.
Et qui est terminé, protecteur de la Francie. Ok. Et attaque menée à bien, ferrière. Et bug, ça se fait deux fois. Et bonsoir, Netsu. Tu es où l'arme? Et les armes? L'arme? Quelle arme? Peux préciser ta question. Puis les armes que je porte, je sais plus trop. Si. L'arme qui assomme, je me rappelle encore. Et la deuxième. La tienne électrique, ouais, c'est celle-là. Alors, celle qui assomme, c'est à la fin du DLC. Que je ne mélange pas. Bah, DLC 1, Irlande. Avec la druide, tu as une quête à la fin de ce DLC où tu dois battre un sorte de monstre dans un monde imaginaire, comme d'habitude. Et c'est ici que tu récupères cette lance. Et la druide, tu la croises plusieurs fois dans la quête principale. Donc, de mémoire, te demande de récolter toutes les pierres tachées du sang des méchants, le clic des méchants. Et une fois que tu as récolté tout ça, elle te fait une potion que tu bois et tu vas dans ce monde imaginaire pour battre un boss. Ça doit être comme ça. Heureusement que tu m'as pas demandé l'autre parce que je m'en rappelle plus d'autre par contre. Je sais que j'irai récupérer le DLC de la Francie. Enfin, le deuxième DLC. Mais je ne me rappelle plus où. Pour l'autre. Qui est très bien aussi. Hein. L'autre, elle a pas d'effet dessus, mais. Si un ennemi est étourdi, sachant que ma première lance est étourdie, bah ça enflamme. Le combo est plutôt sympa. Du coup, j'ai récupéré l'arme de ce fleuve. Je peux retourner à Ravenstorm. Yes. Ah. Yes. Bon, est-ce qu'il va répondre 3 quêtes comme tout à l'heure pour les attaques fluviales ou pas? Wagner, j'ai vaincu tous les champions. Et je leur ai pris leurs armes. Ha ha! Tu aurais été un Jomsviking redoutable. Lettre d'auteur inconnu. Viking, tes actions sur nos cours d'eau ne sont pas passées inaperçues, bah tu m'étonnes. Tu peux voler nos trésors et piller nos terres, mais tu ne peux pas les tenir. Bon, paganisme n'est rien comparé à la justice divine. Mais bien sûr, tes dieux ne pourront rien pour toi quand nous viendrons te chercher. Attaque fluviale achevée. Ok. Donc j'ai enfin fini les attaques fluviales. Ok. Que dirais-tu d'un pillage? Non, c'est fini, on a dit. Je regarde si j'avais 7 points pour faire le dernier niveau de cale.